Aujourd'hui, samedi 28 mars, merci pour les phrases de réjouissance, de lumière que vous avez pu écrire dessus sur YouTube et bien sur Facebook, ou bien les coups de cœur que vous avez pu téléphoner à Freedom ou bien Radio Arc-en-Ciel. Et continue de dire le bienfait que le Seigneur a fait pour nous. La compréhension que nous avons pour les autres, même si nous n'aimons pas trop, Jésus t'aime, hein, Jean-François. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus, tu es l'amour, Jésus t'aime, même si vous fatiguez à moi tout le temps, Jésus t'aime. Aujourd'hui, nous ouvrons le livre de Jérémie au chapitre 11. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Et je ne savais pas qu'ils montaient un complot contre moi. Ils disaient, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, encore une fois, en ce samedi, merci, maman, et les autres, l'apprécier, ce peuple des îles-là. Eh bien, écoute, tu peux demander ça dessus les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bien sûr. Hein. Pour l'instant, les endroits, et ben voilà, nous, c'est pour perpétuer le souvenir de Jean-Marie Vincent. Et moi, elle a été choisie d'être son fidèle serviteur pour habiller ses textes et ses musiques. Et me remercie le Seigneur pour ça. Et écoute, peuple des îles, reste fidèle. Allez! Peuple des îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. Souviens-toi de ton passé, tu te croyais perdu. Souviens-toi de ton passé, Marie t'a secouru. Souviens-toi de ton passé, tu te croyais perdu. Souviens-toi de ton passé, Marie t'a secouru. Peuple des îles, reste fidèle, Marie la Vierge te tend les bras. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. Change-toi, habille ton cœur, pour toi c'est jour de joie. Change-toi, habille ton cœur, tu te pardonneras. Change-toi, habille ton cœur, toi c'est jour de joie, change-toi, habille ton corps, Dieu te pardonnera. Peuple des îles, reste fidèle, Marie la Vierge te tend les bras. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. La Vierge te tend les bras. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. Chante et danse avec amour, gloire à ton Créateur. Chante et danse avec amour, Jésus est ton Sauveur. Chante et danse avec amour, gloire à ton Créateur. Chante et danse avec amour, Jésus est ton Sauveur. Fidèle, Marie la Vierge te tend les bras. Peuple des îles, reviens vers elle, Marie la Vierge t'accueillera. Peuple des îles, reste fidèle, Marie ta mère te tend les bras. Peuple des îles, reviens vers elle.
Chers amis, à l'image de Marie, à nous aussi, des fois, il faut, comme dit le texte de la du chant, souviens de notre passé. Des fois, nous semblons nous perdus. Et la main du Seigneur par rapport à la mort de Marie, l'a secouru à nous. Et que ça y attend de nous, comme dit le texte encore, il faut nous habiller notre cœur de bonheur. Il faut nous changer à nous en joie. Voilà. Il faut nous changer notre cœur parce que nous connaissons tôt ou tard, Dieu, il pardonne à nous. Mais Dieu pardonne à nous si nous venons vers lui, hein. Dieu pardonne à nous si nous venons vers lui. Imagine que nous les réunis, unis à Dieu avec une corde. Et cette corde-là, les casser par nos péchés, les pas cacher par nos péchés, hein, les casser par nos péchés. Eh bien, si nous retournons vers le Seigneur, il va faire un nœud avec cette corde-là. Et ce nœud-là, comme c'est un nœud, il va rapprocher à nous encore plus, quoi. Et peuple des îles, chante et danse, mais chante pas à push, nanana, mais chante avec amour et danse avec amour. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé à nous pour chanter, pour danser, pour être heureux. Chante et danse avec amour, puisque Dieu la donne à nous son Sauveur, Dieu la donne à nous ses sacrements, Dieu la donne à nous Marie, et Marie la donne à nous Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut se réjouir. Et des fois, dans notre réjouissance, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une pensée, il est contre nous. Et cette pensée, des fois, il vient de l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Cette pensée, il décourage, elle nous dit non, on n'est pas capable de faire ça. Non, ou bien une personne de notre famille, t'es ou pas capable de faire ça. Sullivan vient de chanter une petite chanson là. T'es Sullivan, comme il est. Il vient de chanter une petite chanson, mais si ça se trouve, avant il a fait cette chanson là, il y a deux mounes dit, t'es pas capable, ou un gars là quoi, ou bien pas fait rien. Ah, ça fait ça, ou ça perd du temps, ou ça perd de l'argent, personne n'y croira pas. Ou. Mais non, si vous faites un truc avec amour là, ou fait pour déjà, ou fait pas pour les autres, ou fait un truc avec amour. Et quand on a l'amour de le carré, tout le monde saute dessus, tout le carré est bon, hein. Et mon belle-mère Sylvie, t'as fait un petit carré dernier coup, maman, pas tirage pistache, non? On a mangé. Excellent. Le salade, t'es bon. Le brun mouron, pas brun mouron, comment on appelle ça? Salade cresson, excellent. Cette t'es pas là, fallait rage pistache avant. Donc, du coup, aujourd'hui, que ça, le prophète Jérémie dit, il y a deux mondes, il en veut de lui. Et à nous aussi, à chaque fois, il y a deux mondes, il en veut de nous. Nous sommes lutter, nous sommes bataille, nous sommes gratte-tibois, nous sommes comment? Un remède, un fanafouda. Eh bien, nous essayons pistali, nous essayons trouver un défaut sur lui, nous essayons pirater son Facebook pour salir son nom, nous essayons un tas d'affaires. Mais non, le Seigneur de l'univers. Ça, c'est notre combat, c'est quoi? Notre combat, c'est être derrière Jésus. Notre regard est tourné vers ce combat, cette lutte que les autres n'ont contre nous. Mais à un moment donné, nous prenons la force avec le Seigneur, nous prions et nous mettons tout dans la main du Seigneur. C'est ça qu'il faut. Nous n'est pas là pour casser, pour rendre notre bureau, pour bâtir la table, pour dire ouais, m'a cotisé, ouais, c'est ceci, c'est là. À un moment donné, non, à un moment donné, si nous ça au combat, si nous ça manifester avec nos gilets jaunes, si nous ça battre macadam depuis le jardin de l'État jusqu'à la préfecture, si nous ça fait comme ça, si nous ça tout seul là, nous n'obtient rien en fin de compte. Si nous ça là-bas, il faut nous, chrétiens catholiques ou chrétiens tout court, nous mettre Jésus devant nous, à côté de nous, derrière nous, à droite, à gauche et en nous. Nous mettre Jésus avec nous, quoi. Nous les nimber par sa présence. Et quand nous marchons là, nous marchons avec justice, comme écrit dans les Écritures. Nous marchons avec justice, avec espérance et avec amour. Et aujourd'hui, ce que nous peut proposer à nous à travers ce passage de l'Écriture, c'est que nous connaissons, nous, Domouni en veut de nous. Nous connaissons Domouni quand il nous dit, regarde, comment il est, regarde, comment il fait une vie, etc. Les gens, ils veulent de nous, ils en veulent de nous, toujours. Surtout, connaît qui c'est, ils en veulent de nous, et surtout, c'est quand les gens, ils viennent cause avec nous dessus l'autre. Dites, où la vie de l'autre, là, comment elle est, où la vie, comment elle a fait, connaît, figure, ok, il y a soir, mettez côté la case, m'a trouvé aller, passer, etc. Ou cette personne qui cause avec vous comme ça, là, si ça se trouve, il cause avec d'autres, mais seulement il cause you, tu vois? Il cause you. Mais, ou ça pas, on a des, ou ça pas crié à lui, ou ça pas joué à lui. Non, mais en fin de compte, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui parce que son esprit, il rouvre pour que il est dans, au diapason du Seigneur, le Seigneur que ça lui dit à nous, aimez-vous les uns les autres, quoi. Voilà. Nous,
quand nous donne un claque, notre maman, là, il veut pas dire nous déteste lui. Des fois, il veut dire que nous n'a de l'amour pour lui. Nous n'a de l'amour pour lui. Et comme il dit souvent, le but, c'est de relève le maman, c'est de relève notre bonne camarade, c'est de mener les autres vers la lumière, que nous, comme des passeurs d'âme, là. Et si nous, là, dans notre vie, nous avons un monde, ben, les bois, par exemple, hein, et nous connaît, nous devrions dire à lui, ben, arrête de boire, quoi. Arrête de boire parce que sa famille est en danger. Et si nous reste la même dit, au bois, ou fais pitié. Nous, ça, dans le même sens que lui. Mais lui, il conforte, lui, danse dans le business, lui, il est dedans, en fin de compte, quoi. Des fois, un bon petit secouage, un sacouillé, moi, t'as moins bougé les reins. Ça, il devait faire réveiller, quoi. Nous, là, pour réveiller le monde, quoi. Après, des fois, ben, comme un peu comme Jérémie, il nous laisse à nous aller, comme un agneau, il amène à l'abattoir. Parce que nous avons tellement confiance aux gens autour de nous que nous laisse à nous entraîner. Nous laisse à nous entraîner, une mademoiselle. Ou laisse à nous entraîner parce qu'on a deux gars, un joli loto. Il dit, ben, on a dansé samedi soir. Et puis, il passe directement devant le beach ou bien devant la villa ou bien devant Moulin. On ne comprend pas que ça arrive à haut. Mais ben, il comprend parce que ben, la trouvée est tellement gentille ou tellement mignonne que ça abuse ou quoi. Et des fois, il faut nous crier un coup. On dit, t'es gars, laisse-moi la main, sinon, il ouvre la porte. Ouais, faut secouer un coup ce bon gars-là. Quel gars-là dit, ben, non, que ça ouvre la porte. Et ouvre, ça va. Il vaut mieux justement que Bana il mette Azot dans une situation où ça de tomber de petits nuages quoi. Des fois nous laissons des petits nuages nous hein. Nous rêvons, nous pensons plus que c'est autour, nous pensons plus maman, nous pensons plus la famille. Là nous rêvons, nous dansons, la musique est bon, l'ambiance est bon, nous dansons. Mais à un moment donné ben il faut nous faire attention, il faut nous retourner sur la terre. Et des fois si c'est pas nous qui décident. Si c'est pas nous qui décide de revenir sur la terre, hein, si c'est un autre, un événement, il fait revenir à nous sur la terre, ben, me dit, oh, like, quand il y a terre, il bat la terre, la gueule, il fait mal, tout là. Donc, justement, quand il arrive à là, dans une situation comme ça là, ben, nous mettre toutes dans la main du Seigneur, quand nous sent que Nena, des gens, hein, il veut faire mal à nous, qu'ils montent des complots contre nous, ben, que ça nous gagne fait, nous ça pas aîné à vous, nous ça pas fait mal à nous, nous ça pas égalisé à nous avec ces personnes-là, nous mettre tout dans la main du Seigneur, parce que le Seigneur il connaît, il est un Dieu de justice, il connaît que ça est bon, que ça n'est pas bon, que ça est mieux pour nous, que ça est bon pour la paix, pour le monde, hein. C'est pas en faisant une bataille, en criant, en jurant, en cherchant la justice en même temps, en fin de compte, que ça fait l'explication devant la case de monde. T'es la famille, t'es bon ça. L'explication devant la porte de monde. Nous crie justice, nous batater. Ben, peut-être la manière de batater, c'est peut-être ça qui fait changer la donne, quoi. Ben, nous mettre tout dans la main du Seigneur. C'est-à-dire, justement, comme disait tout à l'heure, là, quand nous ça va en légionnaire, ben, que nous soyons les légionnaires de Marie, que nous ça va en guerrier, que nous soyons les soldats de Dieu, que nous mettons toujours Dieu à côté de nous, même si nous sommes en bataille, là. Nous mettons toujours Dieu à côté de nous, et puis, voilà, il apaise, il calme. Et nous voit aussi, nous ça, l'explication qu'il y a famille de monde, mais n'oublie pas ce que de monde là, il a fait pour nous, quand nous étions dans la détresse. Voilà. Des fois, nous oublions en colère, nous prenons notre balai, nous battons à terre, nous menaçons, nous mettons le doigt sur le nez, mais nous oublions. Maman, là, une fois, là, t'es mettez dans un tracas. Le gars, tiens, me donne un tracas là, hein. N'oublie ça, tu vois. Et ça, faut pas nous oublier. Nous demande toujours au Seigneur de toujours donner à nous son esprit de sagesse, son esprit d'intelligence, son esprit de force, son esprit de conseil, son esprit de science, son esprit de piété, et aussi son esprit de crainte de Dieu. De ne pas substituer à nous à la justice divine et de laisser le Seigneur, laisse Dieu être Dieu, quoi. Allez, nous retrouvons semaine prochaine. T'es, le temps la passe vite avec cette semaine-là. Hein. Allez, bye bye. À la semaine prochaine.